ne me connais pas, je m'appelle Samantha, n'hésite pas à t'abonner, aimer, commenter, partager, etc, etc. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Salut tout le monde. Hello, hello. Hello tout le monde. Hello tout le monde. Salut tout le monde. Salut, c'est Samantha. Salut, c'est Samantha. Salut, c'est Samantha. Salut tout le monde, c'est Samantha et bienvenue sur ma chaîne. Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec les cartons qui traînent dans ma chambre. Donc je vous ai montré ce qui traînait de ma commande chez Spectrum. Aujourd'hui je vais vous montrer autre chose. Et aussi je vous montre ma couleur de cheveux actuelle. En fait je veux totalement changer très bientôt, mais comme il me reste un petit peu de couleur, je la finis. Donc il me restait du orange et du jaune. Donc j'ai fait ça. Je suis en mode chill, hein. J'ai mis un fond de teint vite fait. Je suis toujours en pyjama, je suis en mode chill aujourd'hui. Bon, aujourd'hui c'est pas quand je poste la vidéo, mais c'est quand je la filme, parce que le jour où je poste cette vidéo, normalement on est lundi, et normalement la nouvelle de la journée c'est que je viens de signer pour mon nouvel appartement, donc je vais être en plein déménagement, donc je vais être encore moins présente sur les réseaux et sur YouTube que ce que je ne suis. Je sais pas si c'est vraiment possible, mais voilà. J'essaye un nouveau fond de teint de chez Tarte que j'ai chopé chez Sephora en échantillon. Il est vachement plus léger que... Moi j'utilise le Shape Tape normalement, donc il est vachement plus léger. Parce que je trouve que le Shape Tape, quand il fait chaud, il est trop épais pour moi. Sachant que là j'ai chopé... je me suis fait piquer par une bestiole. Donc j'ai plein de boutons et en plus j'ai des piqûres. Donc ça couvre pas trop mal. Après je sais pas trop ce que j'en pense, j'arrive pas à me faire une idée. J'ai l'habitude d'avoir tellement une grosse couvrance que là... je sais pas, je suis toujours pas décidée. Il m'en reste encore un petit peu, donc ça fera une autre utilisation et puis on verra. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de Anastasia Beverly Hills, puisque je fais partie de la PR List. Je le montre pas pour vous dire « Ah, coucou, je fais partie de la PR List, nanana ». Je vous montre pour vous montrer, pour essayer de réaliser aussi, parce que même si j'ai reçu plusieurs colis, bah, je réalise toujours pas vraiment. Et aussi, bah, pour vous remercier, j'ai déjà fait, mais pour vous remercier de m'avoir partagé à toutes les personnes qui m'ont partagé, parce que c'est grâce à vous que je suis sur la PR List, que c'est grâce à vous que Norvina m'a remarqué. Donc vraiment, merci beaucoup à vous. Et du coup, je voulais vous montrer tout ça, et puis partager bah, ma joie. Je vous invite à vous poser, ça va être un petit peu long, je pense. Je vais peut-être pas faire des swatchs de tout, parce que sinon on est là jusqu'en mars. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la Welcome Box. C'est le colis que moi j'ai reçu en deuxième, d'ailleurs dans trois colis différents. Au début, ils ont envoyé dans un gros colis, je crois. Ils ont plus dû avoir de paquets, donc ils ont fait trois colis séparés. Et évidemment, comme moi je faisais partie d'une des dernières vagues, il y a des produits que j'ai pas reçus, je pense qu'ils en avaient plus, donc ils ont mis ce qu'il y avait, et c'est déjà... pas mal. Et je vais commencer par celui-ci. Donc, hop. Donc, c'est un des trois colis que j'ai reçus. Les trois sont à peu près de la même taille. J'ai reçu le contour fix. Donc, moi, je l'avais déjà. Je l'ai utilisé à mort. Donc, surtout sur les clients, pas trop sur moi. Donc c'est le contour kit qui est en crème, qui est très très bien, moi je l'aime beaucoup. Après c'est vrai que sur moi je préfère utiliser la poudre, mais en tout cas il est top. Donc, j'ai reçu ce glow kit que je n'ai pas, donc c'est super cool. J'adore les highlighters de Anastasia, ils sont fous. C'est mes préférés avec ceux de Jeffree Star. J'aime bien aussi ceux de Dab Beauty, mais Jeffree Star et Anastasia, bah, ceux d'Anastasia je les utilise tous les jours. J'ai reçu aussi le sugar kit, donc celui-ci je l'ai déjà. Je vais pas en faire un dans un concours, je vais le garder parce que c'en est un que je mets quasiment tous les jours. C'est celui-ci. Je l'aime trop. Je le trouve vraiment trop trop beau. Et au niveau de l'highlight, on a aussi la Dream. Pareil, qui est une de mes préférées. En général, je mets une teinte du Glow Kit plus une teinte de la Dream par-dessus. Pareil, ça je vais le garder en réserve pour le jour où j'en aurai plus. Elle est terrible. Ça fait un petit peu plus du métallique que de l'highlight highlight. Donc si vous aimez pas l'effet un petit peu paillette et tout, ne vous intéressez pas à cette palette. Mais sinon, elle est vraiment folle. Au niveau des highlights, j'ai aussi la Moonchild. Alors c'est pas une palette que j'utilise très très souvent, mais c'est une palette que j'adore. Qui me fait beaucoup penser au Ice Cold et tout de Jeffree Star. Le Ice Cold de base, c'était mon highlighter préféré. C'est vrai que je l'ai un peu abandonné ces temps-ci pour utiliser la Dream et la Sugar. Au niveau des palettes, j'ai eu 4 palettes que j'ai toutes, je les ai achetées, donc je pense que celle-ci j'en ferai des concours. La Norvina, qui est vraiment super belle. C'est pas nouveau, hein, vous l'avez dû la voir un milliard de fois, donc je pense que celle-ci j'en ferai un concours. La Soft Glam aussi, je l'ai achetée, donc ça m'est pas trop utile d'en avoir deux. Hop, la Moderne Renaissance. Et la Riviera, donc pareil, hein, je l'ai acheté une semaine après qu'elle soit sortie, je crois.
J'ai eu un miroir et je sais pas si vous me connaissez un peu ou pas, mais les miroirs c'est ma passion. J'adore les miroirs. Pourtant, je suis pas du genre à me regarder dans un miroir souvent, mais j'adore les miroirs. Donc là, hop, miroir Anastasia Beverly Hills noir avec le logo. Et ici, avec marqué Anastasia Beverly Hills. Donc moi, je suis trop contente. Je vais le laisser dans son paquet. Le temps de déménager. Dedans, il y a eu cette petite palette donc à faire soi-même avec un fard. Donc c'est ce que je vous dis au début, je crois que les gens ont eu tous les fards. Et au fur et à mesure, il y avait moins de stock, je suppose. Donc là, il y en a un. Mes petites palettes. Ici, c'est des produits à sourcils. Donc les produits à sourcils là-dedans. Donc en fait, quand on a pris le formulaire, ils nous ont demandé la teinte qu'on utilisait. Donc moi, c'est granit. Donc celui-ci. Perso, j'adore les produits sourcils d'Anastasia Beverly Hills. Et hop, la petite poudre duo, pareil, en teinte granit. Avec le petit miroir, trop chou. Et donc ça, crème colorée imperméable. Donc je suppose que c'est une base à paupières ou un eyeliner, je sais pas. Waterproof, crème color, on fait ce qu'on veut avec. Il y a eu un petit porte-clés, je les mettrai sur mes prochaines clés d'appartement. Hop, beaucoup trop mignon, c'est un rose gold avec le logo ABH, trop beau, avec un petit cœur encore ici, j'adore. Et pins, si vous me connaissez pas, je suis une fan des pins, j'aime trop les pins. Et ça donc c'est une petite pince à épiler, trop chou, je suis trop fan. Ensuite il y a eu les fonds de teint en stick qui se présentent comme ceci. Je savais même pas qu'elle faisait des fonds de teint en stick. Voilà donc ces quatre teintes là, donc elles sont assez claires. J'aime bien les packagings d'Anastasia et je trouve que c'est vraiment sympa, c'est en métal. Ça fait vraiment super sophistiqué je trouve, tout noir avec le logo ici, j'adore. Ensuite j'ai eu des blushs et un bronzer. Donc ça c'est des choses que je savais même pas qu'elle faisait non plus. Le packaging est vraiment super cool. Il est tout simple mais en fait suivant l'inclinaison, ce que vous voyez là c'est le logo d'Anastasia Beverly Hills qui apparaît un peu en hologramme. C'est trop cool. Hop et dedans donc petit miroir et puis les poudres. Donc là c'est le bronzer. Et ensuite il y a 5 blushs. Donc chaque petit blush il y a 3 teintes différentes avec une gamme de couleurs. Donc ça c'est trop cool parce que moi les blushs c'est pas trop mes amis. Et j'en manque. Donc ici c'est les teintes pêche. Teinte plutôt rose. Après là c'est un petit peu tout du rosé mais là très, vraiment rose. Il y a un peu de tout là. Du rose corail un peu plus foncé puis du rose. Pool party pareil, celui du milieu il y a des petites paillettes. On voit pas la caméra comme ça mais c'est assez cool. Je vais pas mettre mes doigts dedans hein, parce que franchement ça me fait de la peine de les swatcher juste comme ça. Je verrai le jour où je les utiliserai. Et celui-ci un peu plus foncé. Ça c'est la teinte Berryador. Mais le packaging, je suis bluffée. C'est vraiment magnifique. Alors ici, petit kit sourcils. Donc, normalement c'est toujours la teinte. C'est ça. Alors, petit eye crayon. Ça c'est le gel, mais il est coloré je crois, ouais. Gel en granit, trop cool. J'ai pas essayé en granit, j'ai que le clair, moi. Voilà le clair, qui est très très bien. Mais en granit, trop bien. La Brow Wiz, c'est un petit embout comme ça. Voilà, j'avais celui-ci, pareil en granit, que j'aime bien. Je l'utilise plus. Parce que depuis le temps, il a séché. Perfect Brow Pencil, pareil. Donc c'est un crayon, aussi en granit. Il y a une pince à épiler. Alors moi, j'adore les pinces à épiler comme ça, avec un bon métal. Je trouve que c'est super au niveau précision. Il y a des petits ciseaux. Avec le petit logo Anastasia. Il y a aussi des stencils. Donc les stencils, moi, c'est pas des choses que j'utilise. Mais franchement, je vais essayer. Elle est forte, Anastasia. Franchement, moi, je suis bluffée. Il y a eu ça en highlight. Je les voulais tellement. Alors normalement, il y a 3 teintes. Là, moi, j'en ai reçu que 2. Donc la troisième, en fait, elle était vraiment sold out de partout. Je la voulais tellement que je l'ai quand même trouvée sur Beauty Bay. Mais c'est des tueries. Enfin, c'est des tueries, je dis ça, je ne les ai pas essayées, mais... Du coup, je vais essayer le Snowflake. Donc... J'ai abusé. Trop beau. Là, il y
un peu trop froid pour ma couleur de cheveux et tout, je trouve. Mon pinceau est mouillé parce que je transpire. J'ai passé là dans ma tempe et comme je suis ma race, mon pinceau est mouillé. Trop beau. J'essaierai celui-ci plus tard. Je pense que celui-ci est beaucoup trop foncé pour moi en tout cas, mais oui encore. J'essaierai de me faire des teints un peu plus allés peut-être. Enfin, si ça me va, j'ai jamais essayé. Le Dewy Set Spray. Alors perso, je suis ultra fan de ceux de chez MAC. Je les achète tous. Dès qu'il y a un nouveau parfum, je les prends. Tant que... Il sent trop bon. Il sent quoi? J'ai l'impression que ça sent la noix de coco, mais c'est pas la noix de coco. C'est pas marqué. Il sent trop trop bon. J'adore. Je pense qu'au niveau de la composition, ça doit être pareil que les Mac et tout, je suppose. Mais il sent trop trop bon. Ça sent pas vraiment la noix de coco, je sais pas ce que ça sent. J'aime trop. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Waterproof Gel Liner. Mais je savais pas qu'elle faisait des eyeliners. Ah, c'est pas vraiment un eyeliner. Enfin, si, mais sous ce format-là, en fait. Ouais, c'est plus... Ouais, c'est un crayon, quoi. Un autre truc que je ne savais pas ce qu'elle faisait, c'est les palettes customisables et les fards individuels. Je savais pas qu'elle en faisait et c'est trop beau. La palette, elle est trop belle. Elle est immense et ça met tous les fards. Il y en a deux. Et c'est abusé. Je... C'est... Voilà, j'ai pas les mots. Je pense que c'est maintenant que je me rends compte de ça en fait. Parce que je les ai vus en ouvrant comme ça pour voir ce qu'il y avait dedans. J'ai quand même regardé. Mais il y en a tellement. Il y en a 25 par palette. Putain, c'est fou. Ouais, c'est trop beau. Après, j'ai eu plein de pinceaux. Ça, je vous avoue, j'ai eu... Ça a été difficile quand même de me retenir, de les ouvrir. Mais plein de pinceau, je savais même pas qu'elle en avait autant. Ok, donc je me suis attachée les cheveux parce que j'en peux plus, je suis en train de dégouliner, mais je viens de me rendre compte du nombre de pinceaux qu'ils ont envoyés et c'est fou. Déjà je savais pas qu'elle avait autant de pinceaux, il y a vraiment de tout. Genre il y a tout ça de pinceaux. Je pense qu'il fallait que je vous fasse la vidéo, en tout cas que je sorte vraiment tout du carton pour me rendre compte. Ouais, c'est... Ouf. Il y a vraiment de tout. Il y a des pinceaux à poudre. Biseautés aussi. Il y a plein de pinceaux pour les yeux. Il y en a là encore. Pinceaux boule pour les yeux. Enfin, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment, vraiment de tout. Je sais pas quoi dire. C'est fou, j'ai regardé un petit peu vite fait sur le site, a priori ils sont tous cruelty free, enfin je les ai pas tous regardés, mais ceux que j'ai vus c'était cruelty free, donc c'est encore mieux, c'est Noël. Waouh, je sais pas quoi dire. Et pour le reste c'est des rouges à lèvres, plein de rouges à lèvres, genre tout ça de rouges à lèvres. Mais... Mais vraiment, en fait, je prends conscience que maintenant. Waouh! Bon, je vais vous montrer un petit peu les rouges à lèvres. J'ai regardé vite fait vraiment ceux-là. En fait, pour les petites histoires, moi je suis une lipstick war. J'ai vraiment tous les lipsticks qui sortent, je suis en mode. Et à chaque fois qu'une marque sort des rouges à lèvres, je les veux tous. Donc j'avais commencé par Lime Crime, vraiment tous les acheter. Et Jeffree Star, tous. Dès qu'ils sortaient, je les achetais jusqu'à ce que je me rende compte que ça ne servait à rien. Qu'en plus, je pouvais pas tous les utiliser. En plus, bah, sur les gens en général, tu utilises plus des raisins que des liquid lipsticks. Donc vraiment, j'en avais beaucoup trop. Il y en a plein que j'ai revendu. J'avais commencé à faire pareil avec d'autres marques, genre Pretty Zombie Cosmetics, Black Moon et tout. J'ai vite stoppé. Et c'est vrai qu'Anastasia Beverly Hills, quand je les ai vus, je me suis dit, ouais, bah j'ai envie de faire pareil, sauf que je l'ai pas fait. Du coup, j'ai deux rouges à lèvres d'Anastasia Beverly Hills, les deux violets, le violet et le potion. Et c'est vraiment tout ce que j'ai d'elle. Et là, waouh, wow. C'est fou.
Bon, on va un petit peu regarder. J'avais un petit peu regardé les raisins déjà parce que j'en ai utilisé un sur le taf. Donc je vais regarder un petit peu les couleurs. Il y a vraiment des couleurs qui sont folles. Je ne m'y attendais pas. Ok, je sais pas combien il y en a. Je les avais comptés pour compter mon rangement. Parce que je ne savais pas comment les ranger. Je sais pas comment ranger les autres. Mais il y en a beaucoup. C'est fou. C'est marron, des beiges, des nudes. Hop. Il y a pas mal de rosé aussi. Donc plutôt du naturel, mais un petit peu plus rosé. Donc il y a plusieurs nuances différentes. Il y a des choses un peu plus flashy. Un petit violet ici, qui reste quand même moins violet que pas mal de violet. Mais voilà. Du rose sympa ici. Ici, il y a quoi encore? Il y a aussi un petit rose plutôt bébé comme ça. Enfin, il y a vraiment. Mais trop de choses quoi. Et ce qui m'a étonnée quand je les ai ouverts, donc pour chercher un truc qui me conviendrait pour mon tournage, c'est qu'il y avait quand même pas mal de couleurs assez fofolles, pardon. Donc voilà, des couleurs un peu fofolles. Il y a du noir, il y a du bleu, il y a un vert. Ça c'est plutôt des marrons qui tirent sur le gris, avec vraiment un gris ici. Donc je m'attendais pas à voir ça quand j'ai ouvert et j'étais trop contente. Ça m'a trop agréablement surprise de voir ça. Donc mais il y en a vraiment vraiment énormément. Et ils sont trop bons. Je vais vous swatcher quoi. Je vais vous swatcher le gris. Il s'appelle Smoke. Il est trop beau. Il est là, hein, si jamais, hein, au milieu de mon tatouage. Trop beau. Vas-y, je vais swatcher le bleu. Il est trop beau aussi. Hop, le vert, moi il me fait penser un peu du vert d'eau. Il s'appelle quoi? Insomniac. En fait, Insomniac il existe en liquid lipstick. Donc elle les a fait aussi en comme ça. Et je trouve ça trop cool. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire celui-ci. Stargazer. Ah, j'adore. Celle-ci elle m'intrigue. Griffin. Un marron qui tire un petit peu sur le gris. J'aime trop aussi. Enfin voilà, trop de beauté. Trop beau. Puis le packaging, moi je kiffe. Hein. C'est la même chose que pour les fonds de teint en stick. Donc c'est du métal comme ça avec le logo et tout. Moi j'aime trop. Je trouve que ça fait vraiment super clean, super pro. Ensuite, il y a donc les liquid lipsticks, donc les mattes. Vraiment beaucoup, beaucoup. Oh mon dieu, celui-ci il a l'air tellement beau. Le Requiem. J'avais tellement hésité à l'acheter. Bon, bah, j'ai des lipsticks pour toute ma vie. Je suis super contente parce qu'il y en a plein que je voulais acheter et que j'ai jamais acheté parce que je me suis retenue. Genre, ces deux-là, le Requiem et le Nocturnal. Ces deux-là, je voulais les acheter. Celui-ci aussi, le Clover. Il y avait un rouge, deux rouges que j'aimais bien. J'hésitais entre les deux, je ne les ai pas achetés non plus. C'était, voilà, Sarafine et American Doll. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses que j'avais envie d'acheter et que j'ai jamais achetées. Celui-ci aussi, Insomniac. Ceux-là, c'est vraiment des rouges à lèvres qui me faisaient grave, grave, grave de l'œil. Il y en a tellement. Il y a beaucoup, beaucoup de nudes. Mais il y a déjà bah, tout ça, avec des sous-tons différents pour chaque. Mais c'est quand même énorme. Mais c'est abusé, tout ça. Celui-là, je pense que je vais beaucoup l'aimer. C'est quoi? C'est Ashes. À mon avis, doit ressembler au cachemire de chez Lime Cream, que j'adore. Ouais, grave. Trop beau, tout ça quoi. C'était Requiem, il a l'air fou. Nocturnal. On va les laisser sécher, puis on verra ce que ça donne. Ça, c'est quoi? C'est Insomniac, normalement. Donc, ça, c'est Insomniac en liquide, et ça, c'est Insomniac en raisin. Clover, c'est un petit peu un mauve qui tire aussi sur le gris. Moi, j'aime trop. Et là, dans les rouges. Donc j'hésitais à prendre Sarafine, American Doll. C'est celui-ci vraiment que j'hésitais à prendre. Je pense qu'il est clair, un vrai rouge. Je pense qu'il doit être équivalent au Red Velvet de chez Lime Crime. Et Tulip, il m'intrigue. Ça a l'air d'être du framboise. Je vais les laisser sécher. Et ensuite dans le dernier sachet, il y a tout ça. Là on est sur du gloss, ouais, du lip gloss. Tout ça de lip gloss. Le premier que je touche, c'est celui-ci. Ça me fait sourire parce qu'il s'appelle Freya. Du coup, ça me fait penser à mon pote Itsublu, qui bosse beaucoup avec Freya Core. Oh, il est trop beau. Il est là. Je vais me découvrir une passion pour les glosses, je pense, à cause d'Anastasia. Donc, il y en a plein. Il y en a des qui brillent un peu comme ça et des qui brillent pas.
Enfin, brille pas. Ça brille un gloss, mais voilà. Logiquement, tout cela, ils n'ont pas de paillettes dedans. Mais ça en fait quand même beaucoup. Il y en a des roses, il y en a des nudes. Beaucoup, ça fait beaucoup de gloss. Là, que du nude, quasiment, avec des sous-tons différents. Oh là là, mais ceux-là, mais ils sont magiques. C'est trop beau. Ça et ça. Waouh. Le Freya, il est genre magnifique. Il est où? Il est là. Il y a le Luna qui a l'air de ressembler un petit peu. Il ressemble pas du tout. Et il est magnifique. Enfin, c'est dans les mêmes tons, mais là c'est Freya et là c'est Luna. Trop beau. Mon préféré, logiquement, ça devrait être celui-ci. Il s'appelle Moon Jelly. Vraiment trop trop beau. Avec des reflets violets. J'aime trop. Il a l'air ouf, girly, il est trop beau. J'en peux plus. Où je vais le mettre? Là. Il est trop beau, Vénus aussi. J'arrive pas à croire que c'est à moi. Il est là. Bon, j'ai encore grave du mal à réaliser que c'est toi, moi. Je... Waouh. Je vous montre maintenant qu'ils sont secs. Donc, Requiem, Nocturnal, Insomniac, les trois rouges, bah, je sais plus qui était qui. Lui c'était Tulip. Et Coven, trop beau. Franchement trop beau. Voilà, je pense qu'il fallait vraiment cette vidéo pour que je me rende compte que j'avais vraiment reçu tout ça. Je suis à deux doigts des larmes, donc je vais pas m'éterniser sans cet an. Mais. Waouh! Je sais pas quoi dire, j'ai même plus de mots. Je vais vous laisser là-dessus, je pense. Vous me verrez probablement pas toujours aussi émue, parce que là, c'est quand même assez rare, mais. Ouais, je prends un petit peu conscience de la chose et c'est fou. En fait, j'étais tellement touchée par le fait d'être sur la PR parce que ça veut dire que Norvina, Anastasia ont aimé mon travail que je me suis pas rendu compte pour les produits. En fait, il y a beaucoup de gens qui font ça pour recevoir des produits et moi, je me suis vraiment pas rendu compte des produits. Je me suis pas rendu compte que j'avais reçu tout ça et encore, il y a encore deux colis que je vais vous montrer. Voilà, ça n'arrive pas souvent, profitez-en, je suis sans voix. Bon, encore une fois, je voulais vraiment partager ça avec vous. C'est vraiment pas pour vous montrer les choses que j'ai eues, c'est vraiment pas pour me vanter d'être sur la PR, parce que je pense qu'en travaillant, on peut tous y être, et que c'est aussi beaucoup de chance de nos jours d'être repéré sur les réseaux sociaux, vu le nombre de personnes qu'il y a. Je pense que j'ai vraiment eu de la chance, donc j'en suis super reconnaissante. Et voilà, je voulais vraiment partager avec vous et vous montrer, c'est grâce à vous. Donc merci mille fois. Donc pour les palettes, je vais définitivement vous faire un concours vu tout ce que j'ai reçu. Je pense que je peux quand même faire ça pour vous. Je vais quand même demander à Chloé si y en a qui l'intéressent, parce que c'est quand même mon soutien numéro 1 après, avec ma famille en fait. Mais sinon voilà, je vous les ferai gagner bientôt sur Instagram, je pense après le déménagement quand même, parce que j'aurai vraiment pas le temps de m'occuper des concours, plus d'envoyer des colis, plus de faire les cartons, le ménage, la peinture, tout ça. Mais voilà, merci à tous, merci infiniment, et je vous montre la suite dans la prochaine vidéo, parce que je pense que celle-ci va être un petit peu longue. Les deux autres seront un peu plus courtes. Mais waouh. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous.